Bien qu'elle soit devenue une nation moderne solidement ancrée dans la mondialisation de cette fin de siècle, l'Inde continue d'être la terre d'une civilisation habitée depuis des millénaires par une intense vie spirituelle. Thiruvannamalai est une ville située dans le sud de l'Inde, à 200 km environ de Madras. Elle s'est développée autour du temple d'Annamalaiyar. La première construction du temple remonte au 8e siècle et sa forme actuelle date du 16e siècle. Il s'étend sur près de 10 hectares et trois parvis peuplés d'un nombre considérable de petites chapelles entourent le sanctuaire principal abritant une Shivalinga, une pierre cylindrique représentant Shiva. Shiva est l'un des trois principes divins de l'hindouisme. Il détruit tout ce qui est atteint de multiplicité pour le ramener à l'unité. En tout lieu et de tout temps, les sages l'ont toujours affirmé. Comme on peut franchir les enceintes entourant le cœur d'un sanctuaire, il est possible de traverser la foule des obstacles qui nous séparent de cette liberté radicale, appelée par l'Orient « éveil » ou « libération », et que les évangiles nomment « la joie qui demeure ». Quand on prend au sérieux une telle possibilité, l'Inde reste une source de découverte, un trésor dans le patrimoine spirituel de l'humanité. L'Ilozovic est un sage aussi authentique que peu conventionnel. L'enseignement de cet Américain, poète rock relié au Baol du Bengale, est à la fois d'une extrême rigueur et d'une forme détendue, enraciné dans une tradition très pure et bien ancrée dans notre siècle. Tous les ans, depuis 20 ans, avec quelques-uns de ses élèves, il se rend à Thiruvannamalai auprès de celui dont il se considère comme le disciple, Yogi Ramsurat Kumar. À l'époque de leur rencontre, Lee, c'est ainsi qu'on l'appelle dans son entourage, enseignait déjà depuis quelques années. Et Yogi Ramsurat Kumar était inconnu dans son propre pays. Depuis l'origine des civilisations, on sait que la véritable sagesse se transmet directement d'être à être. C'est pourquoi un sage s'inscrit toujours dans une lignée de maîtres qui, génération après génération, enseigne le mystère de notre essence. Mieux que tout exposé théorique, la relation qui existe entre Yogi Ramsurat Kumar et Mr. Lee, dans ce qu'elle a de singulier et d'universel, illustre magnifiquement ce que l'Inde éternelle a de plus précieux et de plus sacré. Dans nos pays, les mots de gourou, de maître spirituel, voire de chemin spirituel, sont souvent associés à ce qu'il est convenu d'appeler le phénomène des sectes, et à ce titre, suspecté des pires menaces. On ne peut nier les dangers de l'escroquerie sous toutes ses formes, mais on ne peut pas non plus rejeter en bloc des notions qui sont immensément respectées par des civilisations entières depuis des millénaires. Et quelles que soient les péripéties de l'actualité, il est certain que ceux dont la vie témoigne de la possibilité d'une existence humaine enracinée dans ce qui est stable au cœur de ce qui change ont quelque chose à nous apprendre. Gourou est un mot sacré en Inde. Le mystère et la profondeur de sa véritable signification justifie à la fois des bibliothèques de dissertations et des vies consacrées à sa compréhension. Son étymologie est « celui qui dissipe les ténèbres ». Le gourou est un enseignant, le disciple, son élève. En Occident, on l'appelle « maître spirituel » et on le trouve dans les traditions mystiques de toutes les religions. En fait, cette idée nous est familière, puisque la relation entre Jésus et ses disciples
est un des fondements même du christianisme. Bags that Yogi Ram Swakumar used to save. He'd go around town like picking stuff and saving them. All those were his bags. And this was attended for years and years. The first time we ever visited, he was here. Swami was here. So he's protecting the treasure. Mm. Great. Yeah, people, he may be inside, is my guess. Yeah. He's calling his driver. L'Inde a toujours produit des êtres dont le rayonnement spirituel dépasse les frontières de la tradition dont ils sont issus, qu'ils soient reconnus jusqu'en Occident ou qu'ils restent dans leur retraite secrète. Considéré comme un Jivan Mukta, c'est-à-dire un être libéré vivant, Yogi Ram Suratkumar est certainement l'un des géants de la spiritualité hindoue. En 1959, il est arrivé à Tiruvannamalai. Tel le philosophe grec Diogène, qui habitait dans un tonneau, il a vécu dans les rues de la ville, sous un arbre, dans le temple ou dans les grottes de la montagne voisine, puis, à partir de 1977, dans cette maison. Bien qu'il soit resté dans une réclusion volontaire pendant plusieurs décennies, Yogi Ram Suratkumar est appelé aujourd'hui l'enfant Dieu de Tiruvannamalai. Do you feel as a Westerner or as an Easterner or maybe as an Indian? Well, I am a Westerner, so I you know, my particular style as a teacher is a Western style. I wouldn't try and duplicate, you know, I wouldn't take on, I mean, obviously I'm wearing Eastern clothes and I use some Sanskrit in my talks and so on, but I wouldn't completely try and teach in an Eastern style. I think that would be at best artificial. And
So I teach in my own style as a Westerner to Westerners. I also don't try and teach to Easterners. So sometimes when I'm in India, I'm asked to give a talk or do some teaching. And generally I, you know, if I do anything at all, I keep it very, very light and very sensitive to the culture. I don't, you know, I think Westerners are Westerners and Easterners are Easterners, and trying to transplant the culture, particularly in its exact and traditional form, is, you know, can only be a frustrating event. So I feel like a Westerner, but, you know, on the one hand, but culturally, certainly, but on the other hand, where the teaching is concerned, I feel universal. You know, there's no cultural or social or cultural boundaries that distinguish the teaching. The teaching is the teaching. It's pure, you know, reality is reality. That has nothing whatsoever to do with any kind of boundary or distinction. Les visiteurs de Yogiram Suratkumar étant chaque année plus nombreux, ses fidèles ont décidé en 1994 de créer un ashram. En Inde, un ashram est un lieu où l'on se réunit autour du gourou. Contrairement à un monastère bénédictin ou cistercien, il n'est ni réservé aux moines, ni strictement régi par une règle. On s'y rend parfois quelques heures, mais l'on peut y passer toute sa vie. Ici, l'activité principale de l'ashram est la venue de Yogiram Suratkumar deux fois par jour pour le darshan. Traditionnellement, le darshan est la vision de la réalité divine sous une forme humaine. On dit en Inde que le fait d'être en présence d'un saint, de recevoir son rayonnement, est en soi une bénédiction, une opportunité de se rapprocher de notre nature essentielle. Le darshan de Yogiram Suratkumar prend une dimension particulière à l'occasion de son anniversaire, ou Jayanti, qui est célébré tous les ans depuis 1976. Cette célébration commence par une série de rites traditionnels védiques qui, depuis des âges immémoriaux, rendent hommage à la nature sacrée du gourou et à l'engagement de l'être humain sur les chemins de la sagesse. Tout chemin spirituel nous enseigne que la réalité est constituée de deux dimensions. Une dimension relative, entièrement régie par les lois de cause et d'effet. C'est la dimension visible, horizontale, de notre univers quotidien. Dans cette dimension, notre conscience est identifiée à notre corps, à notre histoire personnelle, à notre ego. Mais il existe aussi une autre réalité, transcendantale, qui traverse verticalement toute chose et que la sagesse orientale appelle l'absolu, Atman en sanskrit. Dans cette dimension, la conscience de soi devient conscience du soi en tant que non-dépendant, illimité. Ce qui est célébré ici, ce n'est pas une personne, c'est le gourou en tant que manifestation humaine de cette dimension impersonnelle. Yogiram Suratkumar parle rarement de lui, et toujours à la troisième personne, car aux yeux du sage, l'essentiel n'est pas réductible aux critères biographiques communs. Il dit de lui-même, « Ce mendiant est mort en 1952 au pied de lotus de Bhagwan Ramdas. » On sait toutefois que Yogiram Suratkumar est né en 1918 près de Benares.
où il a reçu une formation universitaire et a enseigné quelque temps. Ayant manifesté très tôt une intense passion mystique, il est parti en 1947 sur les routes, des Himalayas jusqu'au sud du pays, allant de retraite en ashram, à la rencontre de ceux qui allaient le guider. Au cours de ce périple, Yogi Ramsurat Kumar va recevoir l'enseignement de trois des plus grands sages de l'Inde contemporaine. Ils ont chacun suscité une abondante littérature et leur nom seul brille d'un éclat particulier bien au-delà des frontières de l'Inde. Sri Aurobindo, dont le génie spirituel et intellectuel attirera des foules immenses, son ashram d'Auroville, près de Pondichéry, sera célèbre dans le monde entier. Ramana Maharshi, éveillé à l'âge de 17 ans à partir d'une exploration radicale de la question « Qui suis-je ?», on a dit de lui qu'il était un Mozart de la spiritualité, et son regard seul pouvait définitivement changer la vie de ceux qui l'approchaient. Enfin, son principal instructeur fut Swami Ramdas, dont les carnets de pèlerinage, largement diffusés en Occident, relatent 10 années d'une errance entièrement guidée par la répétition du nom de Dieu, Ram. D'une bonté et d'un humour légendaire, on le nommait familièrement Papa Ramdas, et il fait partie des sages qui ont été filmés par Arnaud Desjardins dans les années 60. What is the nature of the teaching that you receive from your master? Well, I mean, essentially, the communication of let's say, benediction, we could use the word grace also, is like the communication of the sun to a plant. So there's some chemical reaction that takes place when the influence of the sun touches the exact nature of a plant, and chlorophyll is developed. I think it's called photosynthesis. So very much like that, grace or benediction is an energetic dynamic that's as different from the physical body of a human being as sunlight is from the physical circumstance of, you know, a plant. But it's transmitted in a somewhat, you know, parallel way, is that if one puts oneself, or one needn't even intentionally put oneself, if one is in the direct sunlight of the benediction or the grace of a master, then, and one is receptive. So obviously human beings are infinitely more complex as organisms than plants. So a plant can't help but be receptive, a human being can. There's a dynamic in human beings in which one can be unreceptive. So if one is receptive, then one receives grace, absorbs it, and that grace creates a transformational situation within the human being himself. Yeah.
Depuis que Yogi Ramsurat Kumar est sorti de sa retraite, la ferveur de ses fidèles n'a fait que se développer et la construction d'un temple, entièrement financé par des dons, a été entreprise. Les travaux ont été inaugurés par Swami Satchinananda, le représentant de l'ashram de Swami Ramdas. La salle principale pourra accueillir 4000 personnes. Ce sera le plus grand temple bâti dans le sud de l'Inde depuis un siècle. Il peut paraître paradoxal qu'un mendiant ayant placé toute sa vie sous le signe du détachement inspire à 78 ans la construction d'un tel monument. Mais le rayonnement d'un saint comporte à la fois une dimension cachée, subtile, et une dimension visible, concrète. La vision du sage s'inscrit dans le très long terme, bien au-delà des durées courantes. Alors, qui peut prédire l'impact de ce lieu dans 20 ou 30 ans ? Nous sommes dans la rotonde du futur temple. Le signe peint sur le mur est la syllabe sacrée Aum. Considérée comme le son primordial de la création, cette syllabe est un support de méditation. La sagesse hindoue s'est transmise de maître à disciple en suivant principalement trois voies, ou yoga. Le karma yoga, reposant sur des pratiques corporelles, le jnana yoga, reposant sur une compréhension de la nature de la réalité, et le bhakti yoga, centré sur une relation purement dévotionnelle avec ce qui est. Yogi Ramsurat Kumar s'inscrit dans la tradition de la bhakti. Yogi Ramsurat Kumar est une énigme pour notre mental, habitué à perpétuellement attendre, comparer ou juger. Il parle peu, n'écrit pas, et son enseignement tient finalement en ces quelques mots,
qui pourrait résumer tout chemin spirituel. Rien d'autre n'existe que mon Père. Ma Devaki est sa plus proche disciple. Elle incarne la dimension féminine de l'ashram, où son total dévouement et sa bonté sont reconnus par tous ceux qui l'approchent. Mais qu'il soit pour eux un saint, un sage ou un gourou, tous honorent la réalité que Yogi Ramsurat Kumar incarne. So when you say, well, how can one free man transmit to another free man? But it's like in the essence of all existence, every man is free. And only we don't, you know, most men don't, and women obviously, don't understand the nature of their own freedom and therefore don't act on the basis of that freedom. So suffering, misery, neurosis, confusion, misunderstanding, violence, cruelty, vindictiveness, prejudice, all of these things arise in relationships between human beings because those human beings do not understand the nature of their own absolute reality. So my relationship to Yogi Ramsurat Kumar, to my master, even though I function as a master in my own right in the West, and even in the East, when I travel, there's some acceptance of my position as a spiritual teacher. My relationship to him is, you know, one could say would be one of a junior to a senior. So he has a different level of maturity that I'm in relationship to. One might say that the relationship between a father and a son, even though at the level of human being, maybe, you know, intelligence, even, you know, physical appearance, physical similarities, they're exactly alike. Let's say the son was grown, 15 years old, 16, 18, 20. Still, the father has more life experience, more maturity in terms of, you know, wisdom, and so on. So it's very much like the relationship between a son and a father, like that. My father's blessings to all of you. My father blesses all. My father blesses all.
Le sannyasin, qui renonce à toute vie de famille ou professionnelle pour se consacrer entièrement à la vie spirituelle, et le moine errant, ou sadhu, sont reconnus depuis toujours en Inde. Le sadhu voyage perpétuellement, s'interdisant de rester plus de 3 jours au même endroit. Sans aucune ressource matérielle, on lui offre traditionnellement la nourriture dont il a besoin. Et même si parmi eux se glissent quelques brigands, leur statut social rappelle l'importance des valeurs spirituelles dans la culture indienne. Bien qu'il n'ait jamais revêtu la robe safran des sannyasins, ni reçu leur initiation, Yogi Ramsurat Kumar a vécu pendant 30 ans l'existence de ces vagabonds. Les haillons de son apparence nous rappellent notre condition d'exilé du royaume des cieux, et il parle toujours de lui comme de ce sale mendiant. Alors que son anniversaire est l'occasion de festivités diverses, il rend hommage à tous ceux qui ont placé leur existence entière sous le signe de l'essentiel et leur offre un châle, symbole de notre enveloppe spirituelle. Jayanti, Yogi Ramsurat Kumar a reçu la visite des plus hauts dignitaires de l'hindouisme, les Shankaracharya. Au nombre de 4, vivant dans des monastères situés aux 4 points cardinaux du continent indien, les Shankaracharya incarnent la pérennité de la tradition hindoue. En Inde, la connaissance traditionnelle a toujours été très brillante, et nous lui devons, par exemple, l'invention du zéro et de la numération en base 10. Mais ces savants, les rishis, n'ont jamais séparé la connaissance d'une conscience globale de la place de l'homme dans l'univers, parce que connaître, c'est être. Sur la base de l'expérience vérifiable des sages, l'Inde a développé depuis des millénaires une profonde connaissance de la réalité ultime. Cette connaissance est le fruit d'une exploration systématique de l'homme, d'une description minutieuse de son fonctionnement physique, émotionnel, mental et spirituel. Elle a donné lieu à de véritables méthodes permettant de transmettre ce savoir, scientifique à sa façon, puisqu'il ne repose pas sur des croyances, mais sur de véritables expérimentations. En rendant visite à Yogi Ramsurat Kumar, les Shankaracharya reconnaissent son appartenance à la lignée ininterrompue de cette transmission. Pour les hindous, 3 principes divins règnent sur toute forme de manifestation. Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur permettant le retour à l'équilibre. Le mont Arunachala est le temple élevé par la nature à la gloire de Shiva.
Tous les ans, on célèbre en son honneur le Dipam, ou Fête de la Lumière, et on vient parcourir à pied les 12 km autour de sa base. La répétition des syllabes sacrées Arunachala Shiva est un hommage à la puissance de ce lieu. Certains mystiques, dont Ramana Maharshi, l'ont considéré comme un véritable gourou, et les nombreuses grottes que l'on y trouve ont toujours abrité des renonçants. Du nom de Dieu et de prières dédiées à Dieu sous forme de chants dévotionnels. Qu'ils soient accompagnés d'instruments ou pas, ces chants ont pour but d'invoquer la sensation du divin, en dehors de toute interprétation humaine. Comme la méditation, ils permettent de franchir l'obstacle des pensées pour s'ouvrir à la profondeur. Pendant chaque darshan, certains font bénir un projet, demandent une guérison ou simplement amènent une offrande. Mais tous reçoivent bien au-delà de leur attente. Could you speak about your experience when you are close to your teacher, when you are with Yogi Ram Surat Kumar? Well, I think there's many elements of that. One element is a kind of awe, a kind of wonder in relationship to the mystery that he is. So I represent my own teaching, one could say, as a communication of knowledge. Even so, there's knowledge goes up to a point, and beyond that point, knowledge is purely instinctual. So beyond the point at which knowledge is cognizable or definable or articulatable, there is what I call mystery, or magic, the great wonder. And Yogi Ram Surat Kumar represents that to me in the flesh, in form. So when I think about him, but even more so when I observe him, a constant element of that communication is a sense of wonder. Not a sense of wonder as if he were in some way foreign or in some way strange, but a sense of wonder
in that he is the mystery, the pure mystery, the magic of the universe, right here in flesh and blood and in form. He speaks, he moves, he walks, and like that. And at that level, I don't try to understand intellectually. I don't try to define. I don't look for any particular specific. I just appreciate and enjoy the radiance of that mystery. And then on the other level, the level of the relationship between two human beings, the feeling is very much like when, for instance, I'm waiting for him to arrive for darshan, or I'm waiting for him because sometimes he just sort of shows up when you're not expecting it. He'll walk into, you know, the residence I'm staying in, or he'll just, you know, appear somewhere. So there's always a sense of anticipation that whenever I'm in his physical, you know, situation, and I know in India, and I know that he could at any time show up. There's always a sense of anticipation when I know he's going to show up, or I'm expecting him to show up at a particular time in a particular place. It's very much like like a feeling that a new lover might feel in awaiting, you know, the presence of the loved one, something like that. And that's as intimate as I'm going to get, so. But you all know what I'm talking about. If you don't, then you're fooling yourself. Then you're in denial about the vulnerability and sensitivity required to experience genuine intimacy. But you all should know what I'm talking about. After all, you all have a mother, right? Every one of you, I assume, watching this tape has been born from woman one way or another. So you know what I'm talking about, absolutely and dramatically. And the difference is, when you await a lover, you have one particular motive, and when you await your spiritual master, then there's a significantly different motive. Something like that. Ce que nous appelons la foi est souvent considéré comme une forme de croyance. Être en présence du gourou, c'est comprendre et sentir que la foi véritable s'enracine dans une certitude, celle de la liberté absolue de notre être. Yogi Ramsurat Kumar dort très peu, consacrant la totalité de son énergie à transmettre la bénédiction de son père. À l'ashram, les journées commencent tôt, par un petit déjeuner avec ses plus proches.
Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram 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 Ram Das is in trance when sleeping. He is in trance while sitting. He is in trance while walking. He is in trance at all times. When God's grace came to Ram Das, he never felt he deserved it. What he did in the past lives to merit it, he does not know. In this life, he did not do anything to make himself fit for grace. Yet, his life was transformed by grace. Grace was poured on him through saints. Saints are gods on earth, even more than God. What brings about our contact with them? God's grace, Atma Kripa alone. It does not come by our struggle or effort. Guru Kripa comes in a second when we are in His presence and we are transformed. Ram Das Guru told him, My son, repeat this mantra always, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, and you will attain immortal bliss. What did he say? Repeat the name always, Ram Das thought. Always meant 24 hours. So, all work had to drop off. If he did anything else, it could not be always. He would not then be following strictly the Guru's instruction. Day and night, he repeated the name and he found God because he had implicit faith in his master's words. One loudly.